sécurité au niveau des enfants, puisque bon, le parc est fermé. Ouais. Hein, et je pense que bon, c'est plutôt familial. Donc c'est vrai que même moi, en étant seule, en venant seule, ça, et mes enfants, donc les enfants en train de jouer, je rencontre d'autres personnes forcément et je dis bonjour, ça permet de discuter aussi. Même si là respectivement je suis assise dans un petit coin parce que j'ai pas trouvé de chaise. Alors exceptionnellement je vais le faire avec vous. Donc on va faire 1, 2, 3, mais tous au centre. Et le but, c'est prendre les 1, 2, 3 de toutes les couleurs, mais vous ne relancez que votre couleur. Donc vous les violets, toi les roses et toi les jaunes. Et moi les bleus. Vous êtes prêts? 1, 2, 3. Et c'est parti, on prend vite les 1, les 2, les 3. Vous pouvez prendre toutes les couleurs. Ce qui marche bien, c'est le fait qu'il y ait vraiment plein de jeux différents, c'est ça? Oui, tout à fait, tout à fait. Et même au niveau adulte, bon, c'est vrai qu'au niveau du prix, c'est un petit peu élevé. Mais c'est vrai que d'un autre côté, en tant qu'adulte, si on veut vraiment s'amuser, il y a aussi des jeux en bois. Hein, donc des jeux intéressants, hein, parce qu'avec les enfants, c'est une manière de faire participer la famille.